Eh bien, YouTube, tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Avant tout, les amis, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas que dans la description, il y a deux Discord, le Discord communautaire, où on essaie de créer une communauté multigaming autour des jeux vidéo, d'accord? Vraiment, n'importe quel jeu vidéo. Donc, pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description, c'est gratuit, il n'y a rien, tout le monde peut venir. Même ceux qui ne sont pas intéressés par Star Citizen ou par d'autres jeux, mais bon. Mais c'est intéressant si forcément vous aimez les jeux vidéo pour rejoindre ce Discord. De toute façon, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est que vous aimez les jeux vidéo forcément. Le deuxième Discord, les amis, c'est le Discord de la Digiteam Corporation. Donc une corporation sur Star Citizen qui a pour ambition d'aller très très loin dans le Verse, main dans la main avec les joueurs français, francophones en tout cas, qui le souhaitent et qui souhaitent s'investir dans le jeu au maximum. Par la même occasion, n'oubliez pas qu'il y a mon code de parrainage pour tous les nouveaux comptes RSI qui est disponible dans la description. Les amis, par la même occasion, je me permets de vous remercier une fois de plus parce qu'on a passé la monétisation de la chaîne YouTube au maximum. Donc, un grand merci. Donc, forcément, je sais très bien qu'on ne va pas gagner des 100 et des 1000 avec ça. Mais en tout cas, voilà, c'était juste un objectif à atteindre qu'on a atteint en plus des 1000 abonnés. Donc je vous remercie fortement les amis. Un grand 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 merci à tous ceux qui sont abonnés et qui ont suivi les vidéos pendant toute cette semaine et tous ces mois. C'est d'ailleurs pour ça que je continue à en faire parce que bah voilà, je veux vous remercier. Et aussi le giveaway est présent pour ça. N'oubliez pas de rejoindre le Discord communautaire pour être éligible au giveaway. Mais un grand grand merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et qui partagent la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, les amis, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc, la vidéo, elle se trouve pour du Salvage contre Borgen 4. Normalement, ça n'a pas trop changé, mais on sait jamais. Donc, les amis, vous voyez bien comment je suis placé. Donc, là, je suis en main de nav. Je suis sur le scan. Et du coup, vous avez vu, enfin, je me suis placé bien avant parce que voilà, je suis pas bête pour préparer la vidéo. Dès que vous croisez des trucs inconnus comme ceci, vous regardez le chiffre qui est ici, signature RS. Donc là, on est sur un chiffre rond. Donc il y a plein de monde qui vous diront non, mais ça a rien, faut pas aller sur le chiffre rond ou quoi. Enfin, c'est pas ces chiffres ronds là qu'il faut, c'est d'autres. Comme j'ai envie de dire, on a chacun notre stratégie. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des plaques. Des grosses plaques comme ça, donc après c'est sûr qu'il faut pas aller sur du 1850, faut aller sur du 1800, 1900, 2000, 1500, 1600, 1700, mais voilà, faut que ce soit un chiffre assez rond dans l'ensemble. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir là? Normalement c'est le temps qui s'affiche. Et ça veut bien s'afficher. Parce que je sais que ça a du mal par moment à s'afficher. S'éloigner un peu. Alors, ça m'étonnerait qu'ils disparaissent comme ça. Voilà. On revoit, ça y est. La rupture, donc il est très lent à la reprise. Mais c'est pas très grave. On va essayer d'y aller doucement pour garder les petits points en vue là. Parce que faut les garder en vue pour éviter qu'ils. Pop. Ah. Ils ont même pas voulu s'afficher. Bon, on va arrêter longtemps sur un truc comme ça. Je suis sûr que ça fonctionne pas. On va aller regarder une autre là. Vous voyez, 1870, c'est pas bon du tout. Ah, c'est du quoi? 1750, c'est pareil, c'est pas bon. Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose? 10 km. Je crois que j'ai vu 1720.
Ah bah. Mais sous de ma gueule en fait. Je vais pas revenir à H24 ici, hein, je vous le dis. Ah, pas casser les couilles quand même. Ah bah du coup, ça vient de spawn. On a deux plaques, je dirais. Ouais, deux belles plaques. Donc les amis, dès qu'une fois que vous êtes comme ça, vous repassez en bas de combat. Parce que c'est là où vous pourrez défaire vos bras. Donc là, moi personnellement, je me mets deux au soleil, pour que ce soit bien clair, et pour que ce soit mieux. Là, forcément, il y avait toujours le côté où vous pouvez faire Alt, Alt-Q. Donc pourquoi Alt-Q? Parce que, en fait, ici, là, vous voyez, là, je suis sur le HDL, donc le gauche. Donc là, c'est pour miner, enfin pour gratter. Et ça, c'est pour tenir. Donc moi, j'aime bien pouvoir tenir. Voilà. J'ai un peu quand même. Mais je crois que de toute façon qu'elle a été grattée. Elle a été grattée que d'un côté. Donc vous voyez qu'en fait je peux le déplacer comme je le souhaite. D'accord? C'est ce qui est assez bien en soi. Donc là du coup, on le laisse là. On retourne sur l'autre côté. On se met sur le module. Pourquoi ça? Voilà. Donc là, je suis sur le module Abraham. Donc là, j'active la... D'ailleurs, qui galère un peu. Mais j'active la... La gimbal pour qu'il puisse tourner. Donc forcément, apparemment, ils ont réduit pas mal de petits trucs. Donc apparemment, on récupère beaucoup moins sur les carcasses. Donc c'est un petit peu chiant. Parce que bon, bah ça veut dire que maintenant, c'est toujours plus de farm pour moins d'argent. Mais bon, c'est aussi ce qu'on aime, entre guillemets. Donc ce qu'on va faire, les amis, c'est que... Bah, je vais vous mettre un petit accéléré du farming de la plaque, comme ça au moins vous verrez toujours ce qui se passe et on aura toujours un œil sur la vidéo au cas où qu'il se passe un petit truc. Après deux plaques, mais une en réalité, on est rendu à peine 5 essais de chargement, donc c'est pas grand chose. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que de mon côté, je vais farmer et je reviens vers vous dès que j'atterris
dès qu'on cherchera un endroit où vendre. Donc, re les amis, on se retrouve du coup avec une full cargaison quasiment de. On est là, elle est remplie, plus le bumper qui est à l'intérieur du Vulture est lui aussi rempli. Donc, si je vous rappelle bien, ne vous devez pas décharger la cargaison du vaisseau, d'accord? Donc, avant, c'est pour ça que je vous prends maintenant, c'est pour éviter que vous le fassiez. Ne déchargez pas la cargaison du Vulture, laissez-la dedans, allez au TTD, donc. On va se retrouver dans quelques minutes. Allez là-bas. Et là-bas, c'est là où on choisira. Mais je vais vous montrer du coup, on se trouve tout de suite. Donc, les amis, on se retrouve au TDD de leur ville. J'ai pas besoin de vous rappeler où il est. Normalement, vous devrez savoir où il se situe. Donc, je sélectionne le Drake Culture. Et donc là, on voit très bien qu'il y a 12 caisses de 1 SCU. Celui-là. Donc là. Ok, donc là, il faut les décharger manuellement. C'est parfait. Du coup, là, ça nous fait 172 000 AIEC pour 12 SCU. Donc en soi, c'est pas dégueu. Hein. Et là, on refait 150 000. Donc on est à plus de. Plus de 310 000, en sachant que j'ai encore le bumper de rempli. Ah, mais d'abord, je dois faire ça. Bon, bah, c'est pas grave, pour tant mieux, comme ça, au pire, je pourrais décharger le reste des SCU. Donc, écoutez, les amis, je vous retrouve dès que j'ai déchargé les SCU dans le cargo. Oublié de reprendre mes systèmes, excusez-moi, mais du coup, c'est pas très grave. Dès que vous avez chargé les 12 SCU par exemple là dans l'élévateur, vous venez ici, d'accord? Donc ça va vous afficher vos SCU ici et du coup vous descendez le transit enfin l'élévateur et ça vous affichera comme d'habitude une petite image ici. Vous appuyez sur confirmer bien en regardant que vous avez bien les 12 SCU pour faire attention à ce que vous avez mis en vente et ce que vous apprêtez à mettre dans le cargo. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo, mais comme voilà, vous pouvez voir, j'ai encore pas mal de caisses. Hop, je vais juste vous faire voir que mon bumper est encore bien rempli. Tac, parce que là je l'ai bien rempli le machin quand même, quand j'y pense. Hop. Ok, ah, il est quasiment plus rempli, il reste. Ouais, il reste deux caisses, deux SCU. Mais voilà, c'est pour vous dire que. Après, j'ai pas forcé parce que c'est vrai que j'aurais pu le remplir. Allez, un peu plus. Ouais, j'ai pas pensé sur le coup. Bah, ça m'a déjà pris une petite heure et demie pour charger tout ça. Parce qu'ils ont réduit, comme vous avez pu le voir, le drop, enfin des, enfin le grattage des bras. Donc c'est assez chiant maintenant de salvage, je vais pas le mentir. Je suis un petit peu déçu parce que je voulais clairement, je le dis honnêtement, faire mon principal métier à la 4.0 quand il y aura le reset. Mais après, ça reste toujours bien, hein, c'est toujours rentable. Vous voyez, je vais me faire quasiment 600 000 en une petite heure et demie. C'est pas négligeable, quoi, j'ai envie de vous dire. Je connais quelqu'un qui a un réclameur et lui, c'est un peu plus que ça. Mais voilà, c'est. Faut se mettre dans les deux cas, en fait, vous dire, ils stabilisent l'économie, mais ils nous baissent aussi le gameplay derrière. Mais c'est aussi compréhensible de leur part. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo sur le salvage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous comment vous faites votre petite technique pour qu'on puisse avoir un petit débat assez intéressant, que ce soit sur le Discord ou dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos à faire sur Star Citizen, j'en ai quelques-unes, comme d'habitude, je vous l'ai dit, je fais les reviews à chaque version. Mais si vous avez quelques idées à me filer, que par exemple, je vous aimerais bien que je vous guide dessus.
Bah, je suis preneur, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, on partage la chaîne YouTube, et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Justement.